Lien dans la description. Vas-y, je t'attends. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Épisode numéro 2 de Pokémon Bouclier les gars. Donc ouais, on va continuer. Ah ok, les Pokémon ils apparaissent comme ça, voilà, ça nous a répondu en fait la réponse de la dernière fois, ce que je vous avais demandé. En gros, est-ce que les Pokémon on va les voir justement ou pas? Alors, on va bien sûr l'attaquer, Flamèche, parce que niveau 2... C'est pas trop le top, hein, faut le dire. On en a pas besoin, mini queue. À un moment donné, tu vas arrêter tes conneries avec tes mini queues là, parce que tu me casses les couilles. Hein. Flamèche. On doit aller où? Je sais même pas. Je n'ai aucune fucking idée. C'est quoi ça? T'as entendu? Non. Qu'est-ce que je devais entendre? Je n'ai rien entendu. Est-ce que par hasard on est... Parano. Encore une fois celui-là, putain. C'est plus des Pokémon de nos jours, c'est des nounours les gars. Oh là là, je peux quitter au moins. Non mais j'ai... C'est bon, l'entraînement de Pokémon c'est fini là quoi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Pokémon, ça... je m'entraîne, tout. J'entraîne le Pokémon, machin, mon cul, ouais. Là j'ai entendu. Dépêchons-nous, Elpa, je me fais grave du souci pour mon mouton. Pour le bon mouton. C'est bien. Toi, la chaîne YouTube de Urtex un peu. La recherche de mon mouton, on arrive au-delà du ciel. On est en train de marcher dans le vide. Franchement, cette brume m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Maintenant, il y aura un Mewtwo qui va sortir. It's a fucking Mew! Tout! Ah, Pokémon légendaire. C'est quoi ce truc? Ça s'appelle toujours un chien. C'est cool en fait. D'avoir tout de suite le Pokémon légendaire contre soi, c'est vraiment extrêmement cool. Non mais franchement, c'est très cool. Surtout qu'on ne peut pas le... On peut même pas l'attaquer. Le Pokémon monsieur vous regarde. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Bah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Bouclier, espèce de macaque. Tu vois? Ok, j'ai compris maintenant le sens de bouclier et épée. Ah, c'est lui qui fait la brume. Cool. Elle part, on n'y voit plus rien, ça va? Moi je sais même pas quoi je dois faire. Je suis là où je suis en train de regarder ma bite. Incroyable. T'en avais aucun effet. Ouais, c'est bon. Ah, ok, il faut qu'on attend qu'il fasse autant de brume qu'on a plus envie de voir. Ok. Ne voit plus rien, il est disparu. Ok, ils ont pris un peu le concept de Suicune avec, avec Ash. D'accord, on a compris le Beans, ok. On a compris le Beans. Enfin, avec Sacha, pardon, vous comprenez pas Ash, c'est vrai, j'avais oublié. Avec Sacha, en portugais, en français, c'est Sacha. Ah, je suis trop dans l'allemand, parce que moi, je regardais les trucs en allemand, donc en allemand, c'est Sacha et pas Ash. Pardon. C'est H et pas H. Oh putain, je sais même plus ce que je dis. Voilà, donc il nous a néanti. C'est en fait un peu le truc de Suicune. Je sais pas si vous avez regardé. Bref, Nabil Elpa. Ouais, ça c'est Tarak là. Comment il s'appelle? Tarak. Frangin? Comment tu as trouvé? Comment tu nous as trouvé? T'as zéro sens de l'orientation? Ah bah d'accord. Dès que je me suis fait du souci pour vous, c'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu 3 plombes, hein, mais vu que personne ne se pointait, je finis par partir à votre recherche. Mon mouton, où est le mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. T'inquiète pas, il va bien. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre complètement KO. Ça va pas la tête. Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, il n'y a pas à dire. Je suis quand même fier de vous. C'était courageux de votre part. Ouf,
On se sera pas retrouvé dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Comment ça, un drôle de Pokémon? De quoi tu parles? Il y a un Pokémon super fort qui a déboulé. Je l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient à travers. Les attaques passaient au travers, tu dis? Tu sais, les gens racontent que la forêt de Sleewood, il y aurait un Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce sont pas des illusions, en fait. Qui sait? Si vous vous entraînez dur, vous arrivez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. Ok, donc ici c'est sur le bouclier. J'aimerais bien savoir celui-là de l'épée, si c'est la même chose. Si c'est celui-là de le bouclier qui apparaît ou c'est celui-là de l'épée en fait qui apparaît. Ça j'aimerais bien savoir. Ça c'est une petite anecdote qu'il faudrait savoir. Moi je dis, on a plutôt assuré. C'est pas mal du tout comme début d'aventure. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Même si on sait un peu faire tirer les oreilles par la frange. Hein. Ça va, en fait, il était plus fier de nous qu'autre chose. Hein. Mais bon, se faire tirer les oreilles, c'est quelque chose d'autre, mon gars. On va encore se faire gronder si on s'en va sans le dire à personne. Rejoins-moi quand t'auras prévenu ta mère qu'on part à Braswick. Ok, Bouddha. Maman, j'étais à la forêt, qu'est-ce qu'il y a? Je te l'avais dit que je serais allé. La la la, la la la, la 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 la. Flamme? Qu'il est mignon ce petit Flambino, tu es très bien. Tu as très bien choisi mon chéri. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Braswick pour récupérer un Pokédex. Oh mon dieu, il a déjà tout dit. Ah, il a pas dit la forêt, ok. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens, comme ça tu pourras t'acheter des poisons ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flamimbo va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Bino. Pourquoi Bino? Mon petit Flambino. Ah ouais. Je te confie Elpa. Ah ouais, c'est pas Elpa qui confie le Flambino, mais c'est Flambino qui confie Elpa. D'accord. J'ai pas compris à ma logique ce que je viens de dire. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Ouais, parce que nous, on rentre toujours à la maison pour se reposer. Ouais. Allez, tchou. Allez, tchou. Allez, salut. Ouais, salut. Ouais, salut! Et voilà, je suis le meilleur. En avant, c'est le premier pas sur la route qui nous amènera au titre du maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner par des hautes herbes avec un speed tempo. What? On se retrouve plus tard. Ok, tchou, allez, bisous! Ah, et n'oublie pas de passer au laboratoire Pokémon! Tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Ouais, le bâtiment là-bas. C'est qui nous dit ça? C'est qui le bâtiment là? Je vois pas. Pokémon, tu sais, le bâtiment là-bas avec le vieux truc violet, ouais, j'ai compris. Il y a un symbole rouge et blanc en forme de Pokéball dessus. Tu peux pas le louper. Ouais, je sais, je suis pas aveugle. Et lui, comme par hasard, il est allé avant moi. Wesh, les moutons. Vieux faire le tour pour pas réveiller les moutons qui dorment. C'est quoi ce jeu? Des moutons qui nous cachent la roue. Ah, en fait, on voit les Pokémon. Non, en fait, les Pokémon. Pourquoi tout à l'heure on pouvait. Okay. Peut-être parce qu'on était dans la forêt, donc de la forêt on n'en voit rien. Ouais, peut-être, c'est très logique. Là, un Pokémon en fait. Tu vois, on les voit direct là en fait. Vous voyez? On les voit direct, ça c'est cool. Ah, je pense qu'on voit les Pokémon qu'on a déjà vus, on les voit en fait. Et ceux qu'on n'a pas vus encore, on les voit pas. Ah, c'est bien fait le concept en fait. Il est pas mal fait le concept. Ouais, vous voyez, mon mouton, on l'a déjà vu, donc il est là. Ah d'accord, on a bien compris le concept en fait. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te paumer. Waouh, rigole pas, moi je me perds tout le temps. Moi, à mon avis, ça, c'est un jeu ce qu'il fait. Hein. T'as vu, ça change vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je sais pas comment je trouverais mon chemin sans Dragonfeu. Enfin bref, entrons. Dra. Il a copié le truc d'Ortex et le pas. Donc je pense qu'un petit copyright sera envoyé tout de suite. Ah ça, on peut faire confiance à la professeure Magnolina. Magnolina, ça me rappelle... C'est pas... Magnolina, attends une minute. Je crois que c'était un nom d'un... C'était un nom d'un village dans le Pokémon...
Or et argent. Vaut le tout. Oh putain, c'est quoi ça? Oh mon dieu, les Pokémon deviennent de plus en plus bizarres. Tarak, me dis pas que c'était encore venu me demander des infos sur les Pokémon les plus forts de la région. Ou je sais pas quoi. Et ça, c'est une professeuse. Professeur. Oh mon dieu, ils vont la ken. Je sais que. J'ai pas que ça à faire, moi. Mais y aille pas, frère. Il faut que tu dois demander au moins le numéro de téléphone. Oh putain. Demander le numéro de téléphone là, parce qu'ils vont la ken, je pense. Ça me fait plaisir de te voir, Vultou. Je compte plus le nombre de fois que je serais perdu sans toi. Je te présente Vultou. C'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour le moment et pour me montrer le chemin. Et puis la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais dû dire qu'on fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si Vultou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Ah, peut-être ils sont ensemble les deux. Bref, enchanté, je suis Sonia, je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolina. Ah, d'accord. Sonia, je te présente Elpa. Il se lance tout juste dans la carrière de dresseur. Je compte sur toi pour l'aider. J'adore ces petits plats. Non, mais je te jure, c'est tout ce qu'il trouve à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien, mais il me rend un peu dingue parfois. Tu as déjà un Moti Smart, à ce que je vois. Comment ça va, Moti Smart? What? What? C'est quoi ce truc? C'est le nouveau téléphone de la génération là? C'est trop pratique, le Moti Smart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. Enfin, j'ai dit ça, mais Tarak y arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon. T'es calé en Pokémon? Patron, non? T'en fais pas, ça va aller. Je vais commencer par te donner accès au Pokédex sur mon Moti Smart. Vous avez désormais accès au Pokédex. Au fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu as un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la rue 2. Je devrais pas peut-être retourner en arrière, aller à la Poké. Ouais, cher. Et donc, si ici si, maintenant, c'est là qu'elle est, d'accord, avec le Pokéball. Et si maintenant, moi, je pars à gauche, est-ce qu'elle va me voir? Elle me voit pas. Ah, cool. Ok, en gros, on peut quand même les éviter. Ça va, c'est cool. Ici, on peut pas monter. Contre Harry, le gamin. Je perds contre tout le monde. Allô, t'es déjà là, ok. C'est la professeure. Ah, ça y est, ok, maintenant ils l'ont mis. Et donc, on a tiré cette histoire de Dynamax au clair. J'ai bien peur que non. Tout le processus est encore très mystérieux. Pour te dire, j'espérais confier les rênes de toutes les recherches à ma petite fille. Mais Dynamax, c'est l'évolution qu'on avait vue avec le dragon feu. Oh pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Pourquoi il y a des points d'interrogation? C'est que c'est la professeure. Magnolina, ouais, on le savait. Serait-ce un de tes amis, Nabil? Enchanté, jeune homme. Je suis la professeure Magnolina. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis dresseurs. Si vous voulez bien vous donner la peine de rentrer. On va nous donner encore 50 Pokéballs, je parie. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour mon mouton Nabil. Et si j'ai bien tout suivi, tu dois donc être Elpa. Ma petite Sonia a dû te confier un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. Elpa, tu connais le Dynamax. Le professeur Magnolina étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet. Si tu veux l'utiliser en combat, toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas les Pokémon dans la vie. On pourrait parler ça nous changeait. »
Dites, professeur, est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi de la reine ? Quoi ? Mais comment ça, Tarak ? Pourquoi ne veux-tu pas les recommander ? Nabil et Elpa ne sont pas encore des enfants. Ah, ne sont encore que des enfants. Ils ne connaissent rien aux Pokémon. Ils sont encore novices. Baliverne, c'est quoi ? C'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une réserve de super dresseurs. Ça ne risque pas d'arriver si tu fais rien pour les aider. C'est pas faux. J'avais complètement zappé cet aspect de choses. Après tout, si je leur ai confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Cadlimbil, putain, mais il est trop con. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. Ça veut dire quoi qu'on est dans le ventre? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Trop bien. Je t'attends dehors, Ilpa. Quoi, il faut à nouveau se battre? Non, mais arrête. Tes conneries. On doit se battre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait du mal, moi, tout le temps de me battre contre lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon plan, c'est de devenir le dresseur le plus balèze du monde. Et pour ça, il me faut à tout prix cette lettre de recommandation. Je vais montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Je parie qu'il a déjà attrapé encore 50 Pokémon. Oh mon dieu. Il faut me préparer. Qu'est-ce qu'il voulait répondre l'autre? Il faut me préparer. Mais de quoi tu veux te préparer, mon frère? Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrez. Maintenant, place à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Encore? Tu crois qu'on a 50 d'autres Pokémon déjà depuis le moment qu'on est parti de là-bas à faire à peine 2 km à pied? Oh là là. Alors, t'as progressé? Laisse-moi vérifier ça. Eh ben, mon gars, je pense que j'ai progressé un peu plus que toi. Hein. Un coup critique? N'augure-lui pas, toi et ton Pokémon. Ah, je viens de remarquer un truc, les gars. Il y a écrit, maintenant il y a écrit en fait dans l'attaque, je viens de remarquer maintenant, je suis désolé, je sais pas si vous l'avez vu déjà avant. Il y a écrit maintenant en bas, juste en bas de l'attaque, je sais pas si vous le voyez, Flamèche, juste en dessous il y a écrit efficace. Donc en gros, on peut maintenant savoir l'attaque qui est efficace automatiquement du Pokémon sans se casser la tête. Donc en gros, ils l'ont fait encore plus facile le Pokémon comme ça. Sans se casser la tête, je sais que c'est efficace, donc je fais Vive Attaque. Pas besoin de faire Flamèche, parce que je sais que ça suffit pour être... Ok. Donc, d'accord. Niveau 10. Je vais bientôt s'évoluer, on sait même pas. Ah non, je vais pas le changer maintenant, je suis bête, ou... Il met un Pokémon plante. Niveau 8, attends, il se fout de ma gueule. Là, vous voyez, il est écrit super efficace, le Flamèche, et efficace, le Vive Attaque. Quand même. Maintenant, on se casse vraiment pas la tête, hein. Super efficace. Ah ouais, tu maîtrises grave les affinités de type, en fait. Ouais, tu m'as déjà dit ça la première fois, bordel de merde. Eh bah, toi, tu maîtrises rien du tout, mon cher ami. Attends, je te fais une attaque, là, pour avoir pitié de toi, parce que... Oh! La chante. Viens, je te fais le coup de grâce. Pour te montrer que je suis trop fort. Ça va. Niveau 8 pour notre Zigzagon là. Oh putain, il a trouvé encore un autre Pokémon lui. Ça va être serré comme combat, j'adore quand c'est comme ça. Oh, mais tu perds. T'as déjà mis les 3 autres Pokémon. C'est mignon ça. Attention. Efficace, donc on fait Flamèche, vu que c'est efficace. Plus niveau 5. Bon, pour dire. Connerie. Les conneries, on ne les arrête pas. Voilà. On critique et t'arrêtes.
Bon, t'as encore 2-3 Pokémon parce que là je suis en train de m'ennuyer, frère. Pourquoi tu veux devenir plus fort, mais là t'es faible. J'ai battu, ok. Enfin. Je suis un peu deg d'avoir perdu, mais ça prouve que t'es un rival à ma hauteur. Ouais, je suis même plus haut que toi. C'est pas de pitié, non. Mais je comprends pas. J'ai bossé mon lancer de Pokéball comme un ouf. Ton lancer de Pokéball! Il est con ce mec! Mais après tout, peu n'importe de gagner ou perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Quel combat, j'en reviens pas. Allez, c'est décidé. Je vais vous la donner, cette lettre recommandation pour maître. Du maître, je peux dire. Prête la recommandation. Une lettre qui permet de participer au défi des arènes. Ouais, merci Franzin, je vais pas te décevoir, je vais trop le gérer ce défi d'arène. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où je prenais la tête avec ton lancer Pokéball, Nabil, tu as muré des plis, c'est bien. Quant à toi, Edpa, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lice. Faut qu'on se donne à fond pour devenir maître. C'est à toi ou moi? Bah oui, ça... c'est ça être rivaux. Eh hey, mais c'est quoi ce truc? Les étoiles, regarde. Il y a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. C'est quoi étoile bleue? Une gemme aux potions mystérieuses. Qu'on le trouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne à y ramasser se réalisera. Ah, ok. Avec une étoile vœu, on peut dynamaxer nos Pokémon, nous aussi. Ah. J'en reviens pas. On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je veux devenir le meilleur dresseur. C'est bon, je l'ai répété 3 fois, maintenant c'est sûr. Mon vœu va se réaliser. Les étoiles vœux sont de drôles de pierres reformant un pouvoir encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, je vais vous les préparer. Hein? C'est vrai, vous êtes une spécialiste Dynamax, professeur. Professeur, professeuse. Bonjour. Merci, madame. C'est vraiment gentil de nous aider, moi et pas. D'abord, le combat contre le Pokémon mystérieux dans la forêt Sleepwood, et maintenant ça... C'est ce bon l'aventure tout ça. Du calme, Nabé, tu es excité comme un carapuce. Tu vas pas dormir ce soir, et si tu continues demain, tu as de la route. En fait, il a pas entendu ce qu'il a dit, hein, Nabil. Eh bien, c'est quoi tout ce ramadan? Ramadan, putain, je suis con. On dirait que je tombe à pic, moi. Vous avez mangé les loupios parce que je me faisais bien un petit curé. C'est le truc à la mode en ce moment, tout le monde en parle de ça. Le truc à curry, ok. J'ai mangé un truc au curry ou c'est mon impression? Ah putain, on n'a pas eu grand chose pour l'instant, on va dire. Hein. On a eu que des trucs de ouf là, trucs de malade, machin, on n'a pas eu. Hein. Pour vous dire, on a fait un nouveau combat. Ouais. Enfin le matin, notre aventure pourra commencer de vrai. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, jeunes dresseurs. Nabil raconte, c'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux. Allez, dites-moi tout. Y a pas grand chose à raconter, j'ai presque rien vu avec le brouillard. J'ai pas essayé de battre le Pokémon en question, mais à la fin on s'est évanoui. Franchement, c'est flou. Sérieux, c'est bizarre. Nabil, Elpa, j'ai quelque chose pour vous. En fait, la professeure, elle s'en bat les couilles. Waouh. Un poignet Dynamax. T'as pas de... Oh là là. Quand elle se trouve près d'une source énergie d'étoile le vœu, sertie dans le poignet qui brille, ce qui permet de donner au Pokémon sa forme Dynamax. Oh mon dieu, un poignet, vous êtes sérieux? Ce sont les poignets Dynamax! Je les ai façonnés à partir de l'étoile le vœu que vous avez trouvée. Merci professeur, trop stylé! Maintenant je peux dynamixer mes Pokémon comme un frangin! Patience, Nabil, dynamixer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'ils puissent prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez de votre voyage pour visiter toutes les sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aidera à aussi remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire.
fait la course jusqu'à la gare. Elpa, c'est quoi le truc à gauche là? Elpa, c'est quoi là? Un super conseil pour toi. Putain, j'ai pas besoin de conseils, frère, je me connais mieux que toi! Tu sais, les Pokémon des autres herbes qui déboutent toujours dans nos pattes sans propagner, eh bien, si tu passes super lentement dans les herbes, en te baissant, ils t'ignoreront. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tous appliquer tout à l'heure. Je vais pas siffler, c'est tout bête. Il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Comme je vous ai dit la dernière fois, ça me donne de plus en plus envie de jouer à ce jeu et c'est incroyable. Parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas. Je vais vous le dire clair et net, je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais, oh, ça va être un jeu de Pokémon, on va dire, classique comme tous les autres, etc. Ça va être, voilà, ici, alors, oh, bon, ça va pas être top top. Mais en fait, si, ça va être, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et franchement, pour l'instant, c'est un très bon début. C'est un début comme tous les autres Pokémon, je pense rien à dire par rapport à ça. Je suis assez content, donc je n'ai pas fait un mauvais choix de l'acheter en tous les cas. Et voilà, donc c'était la dernière vidéo ici pour le YouTube, parce qu'à partir de maintenant, je vais faire des lives sur Twitch sur ce jeu. Je voulais vous faire deux vidéos, plus ou moins ici pour la chaîne Ortex Elpa, pour que vous puissiez un peu voir aussi le jeu. Maintenant, si vous voulez suivre justement le reste, ou on va dire le morceau qui suivra sur Pokémon, bah vous pourriez voir tout simplement sur la chaîne Twitch. Sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, laissez un like, ça ferait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez avoir la suite donc de Pokémon, n'hésitez pas de venir vraiment sur Twitch, mettre un follow, ça serait cool. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt, votre Elpa, triple peace, à la prochaine.